Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on va parler des produits de l'apiculture. Certains produits, ou la majorité des produits, vous connaissez probablement déjà. Certains, vous en avez probablement jamais entendu parler ou vous ne saviez pas que c'était commercialisé. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, les produits qu'on va parler aujourd'hui, c'est le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale, le venin et la cire. Ce sont tous des produits qui sont faits par les abeilles et qui peuvent être récoltés par l'homme. Tout d'abord, on va parler du miel et des bienfaits du miel. Donc, l'homme récolte le miel des abeilles depuis des millénaires. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Mais le miel, c'est quoi ses bienfaits? Mis à part le fait que ça goûte bon. Ça l'aide à combattre l'anémie, ça l'aide à la digestion, ça donne de l'énergie, ça stimule l'appétit, ça facilite les transits intestinaux, ça favorise le sommeil, ça améliore la cicatrisation, ça réduit la toux, ça a un effet antibactérien, c'est un allié du système respiratoire et c'est aussi un antioxydant. Donc, si vous vous coupez ou vous égratignez, vous pouvez utiliser le miel, une petite goutte de miel pour mettre sur votre plaie à coup qu'elle est nettoyée. Le prochain produit que je vais parler, que l'homme récolte des abeilles, c'est le pollen. On récolte le pollen des abeilles en utilisant des trappes à pollen. C'est des petits trucs qu'on installe devant la ruche, puis qu'on oblige les abeilles à passer au travers. Puis lorsqu'elles passent au travers de ces trappes à pollen-là, eh bien, ça enlève le pollen de leurs pattes, puis tombe dans une petite cuve qui est située en dessous de la trappe. Puis on peut récupérer le pollen de cette façon-là. Il faut faire bien attention, par contre, parce que si on vole tout le pollen aux abeilles. Le pollen, les abeilles en ont besoin pour faire du miel, pour nourrir leurs petits et pour survivre. Alors, on ne peut pas tout leur voler. Il faut faire très attention lorsqu'on récolte le pollen des abeilles. Les bienfaits du pollen, on dit que c'est un aliment qui est le plus complet de la nature. Ça l'aide pour les moments qui sont demandants, comme la grossesse, l'allaitement. Ça améliore les performances physiques et intellectuelles. Ça renforce le système immunitaire contre les grippes saisonnières. 100 grammes de pollen, ça équivaut à 7 œufs protéinés. Puis une demi-once de pollen, ça constitue les besoins minimums du corps en acides aminés à tous les jours. Le pollen contient de la vitamine P, de la rutine qui fortifie le cœur, puis qui contrôle les personnes qui souffrent de pression sanguine, de haute pression sanguine. Ça est utilisé pour combler les carences alimentaires, ça régule le fonctionnement du système intestinal, ça a une action préventive sur la prostate, c'est utilisé dans les cosmétiques. Pour les personnes qui ont la peau délicate ou qui ont la peau sèche, ça c'est utilisé pour prévenir le vieillissement. Ça a un effet cicatrisant, puis ça a un effet anti-inflammatoire. Le prochain produit que l'homme récolte des abeilles que je vais parler, c'est la gelée royale. Donc, c'est une substance qui ressemble un petit peu à du yogourt, qui est récupérée dans des cellules spéciales conçu pour le développement des reines. La gelée royale, c'est un produit qui est consommé directement, qui est très très riche en acides aminés. C'est une source naturelle, c'est la source naturelle la plus riche en vitamine B5. C'est antibactérien. On peut l'utiliser, ça a des effets nettoyants. Ça donne de la texture aux aliments. C'est un bon supplément alimentaire. Ça a un effet euphorisant, donc ça rend heureux. Ça donne du tonus pour les personnes qui sont en convalescence. Ça rouvre l'appétit pour les jeunes. Évidemment, à cause de son effet euphorien, ça sert à lutter contre les dépressions.
Ça ne remplace pas les médicaments prescrits par vos docteurs, mais ça peut aider. Ça renforce le système immunitaire, puis ça réduit l'hypertension. Le prochain produit que je veux vous parler, c'est un produit qui est méconnu, c'est la propolis. La propolis, c'est un peu l'élément de base de construction des abeilles. Donc la propolis, les abeilles vont produire ça en récoltant, ça fait partie des choses qu'elles récoltent en même temps que le pollen. Ça a des huiles essentielles dedans, ça a un paquet de choses. Mais la propolis, ça leur sert de mastic. Les abeilles vont produire de la propolis pour boucher les trous dans la ruche. C'est pour ça, lorsque vous allez me voir cet été, j'utilise un outil pour décoller les boîtes les unes des autres, parce que les abeilles vont y mettre de la propolis pour boucher les pores, pour éviter qu'il y ait des courants d'air ou qu'il y ait d'autres insectes qui puissent rentrer par les trous. Donc la propolis, c'est pas un produit qui est très connu ou très récolté. Les bienfaits de la propolis, c'est que c'est antiviral, antibactérien et antifongique. Ça stimule le système immunitaire, ça a un effet anti-inflammatoire, antitussif et anesthésique, excusez. Ça aide beaucoup au niveau des voies respiratoires. C'est un désinfectant et un cicatrisant naturel. Donc, puis on récolte ça simplement en la grattant des places où les abeilles vont en avoir mis. Donc, on n'en récolte pas des tonnes. Le prochain produit qu'on va parler, c'est la cire d'abeille. Évidemment, bon, les abeilles construisent des rayons en cire pour élever leurs poupins, pour stocker de la nourriture. Et nous, lorsqu'on extrait le miel, ben, on peut récolter cette cire-là qui a été produite par les abeilles. La cire a des propriétés antibactériennes et antiseptiques. On peut l'utiliser pour des plaies. On l'utilise aussi souvent pour la fabrication de chandelles, la fabrication de savon ou de produits cosmétiques. Le dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le venin des abeilles. Il y a un certain commerce au niveau du venin des abeilles. Malheureusement, ce qui se produit, c'est que bon, l'abeille, quand elle pique, elle meurt. Donc, évidemment, pour récolter le venin d'abeille, il faut faire mourir les abeilles. Mais là, ça a certains bienfaits, ça a certains bienfaits au niveau médicinal. Il y a présentement des études qui utilisent le venin d'abeille en neurologie pour combattre la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, les personnes avec des problèmes de nerfs sciatiques ou des douleurs chroniques. Ça aide aussi au niveau des rhumatismes, l'arthrite, les tennis elbow. Ça aide à booster le système immunitaire. Certaines propriétés du venin aident à booster le système immunitaire. Ça aide au niveau de l'hypertension cardiovasculaire et l'asthme au niveau respiratoire. On l'utilise aussi pour la guérison, la prévention des plaies, de la dépression, des crampes menstruelles. Entre autres, il y a certaines études qui sont faites présentement qui prouvent que ça pourrait aider à combattre le cancer. Donc, c'est pas un produit dans lequel je vais me lancer ou récolter moi-même, mais ça fait quand même partie des produits qui peuvent être récoltés en apiculture. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Inscrivez-vous à mon site, s'il vous plaît. Vous pouvez venir me visiter sur www.banshee001.ca. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez des commentaires. J'essaie de toujours répondre à tous vos commentaires. Et à la prochaine!